expérience que je vous proposerais bien. Alors, on entend souvent, c'est un gros truc de la droite, ça a commencé sous Chirac, et puis même avant, hein, sous Sarkozy. Souvent, les mecs de droite disent il y a de la délinquance juvénile, il faut abaisser l'âge de la responsabilité pénale. En fait, c'est une connerie, parce qu'il est déjà super bas l'âge de la responsabilité pénale. C'est vous êtes pénalement responsable à partir du moment où vous êtes doué de jugement. Donc, en droit pénal, vous êtes à peu près responsable à partir de 7-8 ans. Simplement, on ne peut pas vous mettre en prison. Et vous n'êtes pas jugé comme un adulte, vous êtes jugé par un juge pour enfants. Et les mesures, la condamnation que vous allez subir, c'est des mesures d'éducation. Éventuellement, vous allez être placé, vous allez être sorti de votre contexte social pour aller ailleurs, voilà, changer d'environnement, pour essayer de voir comment vous évoluez, etc. Et puis, on peut vous mettre en prison à partir de 14, 15 ans, 16 ans. Voilà. Mais c'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire jusqu'à 18 ans, vous allez être jugé par un juge spécial qui va d'abord examiner quel est l'intérêt de l'enfant et quelles sont les mesures éducatives les mieux adaptées pour lui. Mais n'empêche que vous êtes responsable pénalement dès 7 ans. Et moi, je propose simplement que si on reste sur une aristocratie élective, on abaisse le droit de vote à 7 ans, quoi. Ça, vous êtes responsable pénalement et en plus, vous avez le droit de vote. C'est royal. Alors, on garde le fait qu'on ne peut pas vous mettre en taule, hein. Entendons-nous bien, hein. En fait, on ne change pas l'âge de la responsabilité pénale, qui a toujours été le même, mais on vous donne en plus le droit de vote. Moi, ça aurait plusieurs effets bénéfiques. Le premier, c'est que j'ai quand même hâte de voir les clips de campagne et la propagande électorale pour les enfants. Les dessins animés vont être beaucoup plus drôles pour les adultes, d'un coup. Les adultes vont regarder la télé à l'heure où leurs enfants prennent leur goûter pour être sûr de savoir ce qui leur arrive. On va être obligé du coup d'avoir une éducation politique, quoi. Parce que c'est tellement important. Et puis les enfants votent, donc faut se méfier, quoi. Faudrait peut-être qu'ils soient au courant de ce qu'ils font. Voilà. Donc ça serait intéressant. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut aussi proposer d'enlever le droit de vote aux gens qui ont plus de 70 ans. Je vous laisse choisir. C'est une option, hein. Je connais des gens qui ont plus de 70 ans, qui réfléchissent très bien, que j'adore, etc. Hein. Qu'est-ce que ça ferait si on leur enlevait le droit de vote? Ils seraient obligés, du coup, de se dire, bon, bah, puisque je peux plus voter, il faut que j'aille convaincre des gens de voter comme moi j'aimerais, et du coup d'aller faire de l'éducation des jeunes enfants à l'école, par exemple. Ça ferait de la transmission intergénérationnelle politique. Moi, je trouve que c'est un super projet. Ça pourrait bien marcher.